sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Sur ce dont j'ai besoin, je me la donner, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche avec puissance. Vous allez participer à un petit jeu de questions-réponses. Ouais. Les questions vont vous être posées par le père Ivarno Kirchhoff et monseigneur Denis Jachier. Et pour y répondre, vous allez avoir besoin de vos smartphones. Donc j'espère que vous êtes équipés. Alors, c'est très simple. Écoutez les consignes. Il suffit de poster votre réponse en statut sur Facebook ou sur Twitter, suivi du hashtag FRAC2018. Alors attention, votre réponse ne doit comporter qu'un seul mot et doit être suivi du hashtag FRAC2018. C'est impératif car grâce au hashtag, on va pouvoir collecter vos réponses en direct. Alors, on va faire un test grandeur nature. Pour que ce soit plus clair, je vais vous demander de sortir vos téléphones. C'est le moment, c'est voilà, maintenant. Sortez vos téléphones pour voilà. Les 3310, téléphones à clapet, les 3310, tout. Les Minitel, pour ceux qu'on a, voilà.
Sortez vos téléphones. Ah, il y en a qui n'ont pas de téléphone, visiblement. Ok. Ah, voilà. Voilà, montrez-nous vos téléphones. Magnifique. Très bien. Alors, ça va être simple, on va faire un petit test. Vous allez répondre à la question suivante. Quel est votre signe distinctif? Je vous rappelle que c'est un mot, hashtag frat2018 en statut sur Facebook ou sur Twitter. Pour vous laisser le temps de répondre, nous allons chanter avec le groupe Le Fraternel. Je sais qui je suis et on revient tout de suite. Très bien. Alors, on va vous inviter à regarder les écrans et à regarder les réponses qui vont s'afficher. Ah, il y a plein de choses là. Il y a des t-shirts, apparemment il y a des t-shirts. Montrez-nous vos t-shirts, les jeunes. Ah, pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont des perruques? On voit pas là d'ici, hein. Pas de perruques. Étonnant. Ah, je vois des chapeaux aussi, chapeaux. La classe. Les écharpes. Je vois même des casquettes. Eric. Oui, oui. On vient de me dire peut-être que quoi? Nous avons atteint les 10 000. Nous sommes 10 000 sous la basilique Saint-Pédis. La classe. C'est bon ça. Alors, du coup, Lucie, moi ce que je te propose de faire, c'est qu'on se dirige vers la cloche René-Marie pour lancer cette première célébration, Sati. Vous êtes partant? Non, c'est pas assez fort. Est-ce que vous êtes partant? Voilà. Ah, ça c'est la classe, ça. Oh là là, j'ai c'est toujours rêvé de ce moment. Alors. Que le frat 2018 commence! Chérie, depuis ce jour, elle est mon réconfort.
attend, il nous attend pour nous faire vivre librement. Bienvenue à vous, lycéens d'Île-de-France, pour le lancement du FRAT 2018. Je suis le père Ivarno Kirchhoff, prêtre responsable du FRAT de Lourdes. Et c'est dans la joie que je vous accueille avec toute l'équipe qui a préparé ce grand moment. Je sais que vous avez préparé ce temps du FRAT depuis de longs mois et que c'est avec beaucoup d'insistance que vous êtes dans la joie, ici et maintenant, pour vivre avec nous un grand FRAT. Vous apportez avec vous les merveilles de Dieu dans votre vie, comme tous les jeunes qui vous ont précédé ici à Lourdes. Alors tout de suite, nous allons regarder une vidéo pour découvrir tout ce qui s'est passé avant ce FRAT 2018. Previously on the FRAT. Le FRAT a 110 ans, mais c'est celui d'aujourd'hui qui nous intéresse. Je vous présente Sophie et Constance. Sophie et Constance, vous venez de l'aumônerie de Grégor Mendel à Vincennes et vous allez répondre à des questions, mais d'abord celle-ci, vous êtes venue en car ou en train ? En train ! Ne soyez pas jaloux. Il y a toujours une raison, c'est que le groupe accompagnait des personnes handicapées. Donc on peut plutôt les applaudir. Comme vous, comme on a fait tout à l'heure, Sophie et Constance vont répondre à quelques questions. Vous venez d'arriver au FRAT pour ces quelques jours de pèlerinage. Et vous n'êtes sans doute pas venu les mains vides. Alors, qu'avez-vous apporté pour ce FRAT ? J'ai emporté mes vêtements, mon chapeau, ma joie et bien sûr ma cape de pluie, parce qu'à Lourdes on ne sait jamais. Et moi, j'ai apporté ma valise, des bonbons, des lunettes de soleil parce qu'il va faire beau et bien sûr mon chapeau. Eh bien, je crois que c'est toi qui as raison sur le beau temps parce qu'il nous annonce du soleil. Merci à vous les filles. Maintenant, c'est à vous tous ici, avec votre smartphone, jeunes du FRAT, de répondre à cette question. Qu'avez-vous apporté au FRAT ? C'est parti pour un petit post Twitter, Facebook, avec hashtag FRAT2018. Sous-titrage.
monde. Oh. Jésus, je te suivrai. Maintenant, regardons vos réponses. Qu'avez-vous apporté au frat? Un djembé, des kawaii, envie, parapluie, signe distinctif, des affaires, des valises, un téléphone, ben sinon vous n'avez pas pu répondre, une guitare et plein d'autres choses. Bien sûr, pour venir au frat, il faut s'équiper. Je suis sûr. Je suis sûr que ce n'est pas le plus important pour vous. Vous n'êtes pas venu seul d'abord au frat, nous sommes plus de 10 000. Vous êtes venus tous différents. Vous êtes venus avec votre aumônerie, votre groupe, avec des personnes qui comptent pour vous. Vous avez des accompagnateurs, des prêtres. Et pour commencer, nous allons commencer avec tous les diocèses d'Île-de-France qui vont venir maintenant en procession. Nous sommes aussi accompagnés de vos évêques qui sont ici présents et qui vont nous aider à réfléchir à ce qui est le plus essentiel à apporter au frat. Appelez pour montrer son excellence. Tous
ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. J'ai besoin de ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Nous allons bâtir petit à petit notre église. Comme Dieu l'a dit à saint François d'Assise, et il a fallu du temps à saint François pour le comprendre, l'église ce n'est pas qu'une question matérielle. Chacun d'entre vous apporte sa pierre. C'est avec vous, c'est avec nous que nous pouvons la construire. Chaque pierre est différente. Mais s'il en manque une seule, l'édifice peut finir par s'écrouler. C'est ce que signifient les pierres que vous venez d'apporter. Chacun de vous est attendu par le Christ. Vous venez des diocèses de Meaux, de Versailles, de Pontoise, d'Évry, Corbeil-Essonne, de Nanterre, de Saint-Denis, de Créteil et de Paris. Parmi nous, certains viennent des lycées français à l'étranger. Vous êtes 10 000 jeunes de toute l'Île-de-France, venant de toutes les villes, de tous les quartiers, et tous très différents. Ces différences sont finalement autant de richesses pour célébrer le même Seigneur. Vous arrivez plein de joie. Vous arrivez peut-être aussi avec des questions liées à votre avenir, à votre famille. Vous venez avec des prières confiées par vos paroisses, vos familles ou pour vous-même. Pendant ces 4 jours, nous vous proposons de vivre une aventure afin de découvrir les appels de Dieu dans votre vie. Avec notre thème, sois sans crainte, il t'appelle. Nous voulons vous aider à répondre à cette question essentielle pour chacun d'entre nous. Quelle est ma place dans le monde ? Vous verrez avec les témoignages, les célébrations, les carrefours, les ateliers, tout est mis à votre service pour que vous puissiez avancer dans cette réflexion. Dieu vous attend. Il vous appelle avec vos richesses et désire combler vos faiblesses. Et si tu as des doutes, sois sans crainte. Dieu veut pour toi une vie riche de sens. Le thème de notre journée est « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Vous n'arrivez pas vide. L'Église croit en vous parce que Dieu a déjà fait des merveilles en chacun de vous. L'Église a confiance en vous et la preuve, elle vous demande votre avis pour notre démarche synodale. Tous les évêques d'Île-de-France nous accompagnent pendant le FRAT et j'aimerais vous présenter en particulier Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris, qui est l'évêque accompagnateur du FRAT. Monseigneur, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous les jeunes. J'ai l'impression que vous êtes en forme. Bien, Monseigneur, nous allons commencer notre frate 2018 avec les merveilles que nous avons reçues et que nous célébrons maintenant. Formidable. Vous êtes arrivés avec plein de choses, on dirait. Des vêtements, du matériel. Mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le plus important. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour nous. Pourquoi ? Parce que nous allons construire une église. Elle commence. Nous allons construire une église au long de ce frate. Alors l'église, c'est un bâtiment, bien sûr, mais c'est aussi une communauté de personnes. Et dans cette communauté de personnes, eh bien, il faut que chacun apporte sa pierre, apporte ce qu'il a de précieux, ce qu'il a d'unique, qui est important pour la construction de l'église. Vous savez bien que vous êtes différents les uns des autres. Eh bien, ces différences, elles peuvent devenir une richesse. Pour construire, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, nous allons nous interroger. Je vais m'adresser encore à Sophie et Constance, qui sont parmi nous, et je vais leur poser une question. Je m'adresse à chacune de vous. Qu'as-tu à apporter à notre Église pour la faire grandir ? Je pourrais apporter mon envie d'innover toujours plus et mon côté manuel. Et moi, ma générosité, mon sens du service et mon énergie. Oui. C'est très important. Merci. Alors vous tous, les jeunes du FRAT, posez-vous la question. Qu'avez-vous à apporter à notre Église pour la faire grandir ? À vous de répondre. Nous proclamons que Jésus sauve.
Alors ça y est, vous avez pu répondre à la question ce que vous apportez à l'église. On va voir ce qui va s'afficher. Quels sont les dons que vous apportez pour construire l'église? Ah ah, pas mal de choses. D'abord, il y a des dons pour vous exprimer, je vois la musique, la danse, il y a de la créativité en vous, la guitare. Après ça, il y a des dons qui sont plutôt pour vous rencontrer, pour vous connaître, pour créer des relations entre vous. Je vois la tolérance, je vois la curiosité, je vois l'ouverture d'esprit, l'amitié, bien sûr. Tout cela vous aide à nouer des liens. Et puis peut-être que le Seigneur aussi a mis en vous des dons qui vous aident à vous approcher de lui. Alors bien sûr, la foi, l'amour, la joie, des dons qui sont très utiles pour construire l'Église, cette communauté qui nous rassemble. Au fond, chacun a pu identifier des talents qui lui sont propres. Ce n'est pas forcément les mêmes que celui du voisin, mais je peux vous garantir que tous les talents sont utiles pour construire l'Église. Alors, réjouissons-nous de cette diversité de talents, car notre Église, dès aujourd'hui, a besoin de vos talents. Repérez-les, essayez de les identifier, de les faire grandir, et surtout, de les mettre au service de tous. Alors, il y a quelqu'un d'important dans l'Église, je crois, qui a un message à nous transmettre aujourd'hui. On va l'écouter. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, diálogo con ustedes. Y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos que está dedicado a ustedes, los jóvenes. Eh bien, vous, les jeunes du FRAT, le pape s'est adressé à vous. Il vous a même adressé un message par son cardinal secrétaire d'État. Vous le retrouverez sur les réseaux sociaux, là, Facebook et tout ça. Eh bien, dans son message, voilà ce qui est dit. Le Saint-Père tient à redire avec toute l'Église, à chacun des jeunes qui sont présents à Lourdes, sois sans crainte, il t'appelle. Et il donne sa bénédiction apostolique à tous ceux qui sont ici réunis. Vous l'avez entendu dans la vidéo, le pape, il a convoqué un synode de tous les évêques qu'il rassemble à Rome en octobre prochain. Et vous savez, le thème qu'il a donné à ce synode, c'est la jeunesse, la foi, le discernement des vocations. Mais vous avez entendu aussi qu'il vous dit que vous aussi, vous êtes invités à prendre votre part dans le synode des évêques. Vous avez un rôle à jouer. Vous êtes concernés et vous êtes invités à être des acteurs de ce synode. Mais il n'y en a pas qui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un synode? Ah oui. Ah ben alors, il faut se poser la question, on va regarder une explication. Messieurs, asseyez-vous. Je vous ai fait venir parce que la situation exige que nous fassions appel aux meilleurs. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles. Tout le monde est très occupé et il ne reste que vous. Nous recherchons une idée révolutionnaire pour nous permettre de nous rapprocher des baptisés qui ont souvent des questions, des suggestions. Nous souhaitons que l'Église les entende et s'en inspire. Voilà le topo. Pas de questions ? Alors enfin... Bien, messieurs, les évêques comptent sur vous, l'Église compte sur vous, le monde compte sur vous. Bonne chance et que la paix soit avec vous. Mec, ça c'est la mission de notre vie. Faut pas se louper. Yes, maman elle va être tellement contente. Oui, enfin on a surtout l'occasion de plus passer pour des losers, tu vois. Il faut qu'on trouve une idée béton là, maintenant. Une idée pour quoi déjà?
Et pour entendre les questions des baptisés. Ah ben, facile, il suffit de les écouter. Ah ben super, et on fait comment? On installe un micro chez eux, c'est ça? Deux micros. Un dans l'entrée, et un dans le salon. Comme ça, tu suis le fil de la conversation. Oui, voilà, super. On installe un micro chez tous les baptisés. Non mais t'imagines le chantier. Et puis, je suis pas sûr qu'ils parlent tous les quatre matins de l'église, hein, les baptisés. Ah. Non, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de rassembler leurs propositions, leurs souhaits pour l'église. Comme une lettre au Père Noël. Voilà, une lettre. C'est bien ça, une lettre. En plus, je suis sûr, on va avoir une tonne de réponses. Ouais, mais faudrait voir à ce qu'il n'y en ait pas trop des réponses, justement. Mais pourquoi? Qui c'est qui va devoir trier les lettres après? Ah, c'est nous. Et je te raconte pas la purge, hein. Bon, il nous faut un moyen simple et efficace de recueillir les réponses des baptisés. Ouais. J'ai. Bonjour madame, c'est l'église. Nous aimerions savoir ce que vous pensiez à propos de tout. Trop direct. Beaucoup trop direct. Faut leur laisser du temps pour se préparer. Et si, au lieu d'aller chez eux, on les invitait nous? Ici, tu veux dire? Non, on se retrouve à mi-chemin et on marche en discutant. On les invite à faire un bout de chemin ensemble. Tu vois la puissance du symbole? Imagine, un chemin sur la famille, l'évangélisation. Les jeunes et l'église. On pourrait carrément en faire plein. Sur des sujets qui touchent vraiment les gens, en fonction de leur réalité de baptisé, on aurait des sujets hyper variés. Génial. Et à la fin, on prend toutes les idées et on vote, c'est ça? Voilà. Il faut la majorité des deux tiers pour que l'idée soit approuvée. En gros, si vous avez 6 personnes, eh ben il faut 4 personnes pour que l'idée soit validée. Ah. Bien. Et vous allez appeler ça comment? Marcher ensemble. En grec, ça donne sun odos. Synode. Et synodus. Comme ça fait plus latin. Synode. Bien. Ben allez proposer ça au patron. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont inventé le synode. Michael, t'en sers du tout en fait. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de vote là? Alors, au FRAT, avec le synode des jeunes, tu peux proposer des idées et lors de la mise en commun, on vote pour celle qui nous plaise. On vote? Oui, avec ton téléphone sur le site du FRAT. Mais du coup, le FRAT, ils l'ont inventé comment? Alors, le FRAT. En fait, le synode, ça n'a pas été inventé pour le frat par ces deux gars-là. Hein. Le synode, ça existe depuis les débuts de l'Église. Synode, ça veut dire on marche ensemble. Et depuis les débuts de l'Église, eh bien, les évêques se sont réunis, ils ont fait des assemblées, des synodes, des conciles, pour qu'ensemble, eh bien, ils puissent prier, qu'ils puissent lire la parole de Dieu, qu'ils puissent réfléchir, partager les lumières de l'Esprit-Saint, et puis formuler des propositions. Donc, les évêques font cela, ils se rassemblent en synode. Mais le pape, cette fois-ci, pour ce synode d'octobre, a voulu associer toute la jeunesse du monde à cette démarche. Et il a lancé une demande auprès des jeunes en disant ceci. « Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés, faites-le arriver jusqu'à vos pasteurs. » Alors, au FRAT, eh bien, on va prendre cela au sérieux. On va vivre une démarche synodale à 10 000. Vous allez vous retrouver en carrefour, vous allez prier, vous allez lire la parole de Dieu, vous allez réfléchir, vous allez partager le fruit de votre réflexion, et puis ensemble, vous allez essayer d'exprimer vos convictions, des propositions concrètes. Vous voyez, vous êtes des pierres vivantes de l'Église, et vous allez pouvoir apporter votre contribution active, votre participation à cette démarche synodale dans le discernement de l'action de l'Esprit-Saint pour pouvoir transmettre la foi au monde entier. Alors pour commencer, eh bien, il va falloir prier. Alors on va dire une prière ensemble. Je vais d'abord demander à tous les adultes accompagnateurs de se lever pour dire ensemble une prière pour tous les jeunes. Allez, on va.
vous la trouvez dans le livret d'animateur. Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu'avec courage, ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes, et qu'ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun d'entre eux pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme le disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta mère, la recevant de toi en don, qu'ils soient les témoins de ta résurrection et qu'ils sachent te reconnaître vivant à leur côté, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. Je sais pas de... pour la prière suivante. Et maintenant, les adultes, vous pouvez vous rasseoir. Cette fois-ci, ce sont les jeunes qui vont prier. Vous avez la prière à la fin de votre livret. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les jeunes du monde. Donne-nous le courage de prendre notre vie en main. Donne-nous de désirer vivre les choses les plus belles et les plus profondes. Donne-nous de savoir garder un cœur libre. Nous te prions pour les adultes qui nous accompagnent, pour nos évêques, les prêtres, les responsables, les animateurs, pour nos parents, pour nos amis. Que ton Esprit Saint leur donne de savoir nous guider dans la sagesse avec générosité. Qu'il nous aide à découvrir l'appel que tu adresses à chacun de nous, à discerner notre vocation pour réaliser notre projet de vie et parvenir au bonheur. Tiens nos cœurs ouverts aux grands rêves et rends-nous attentifs au bien de nos frères humains. Seigneur, comme le disciple aimé qui a accueilli Marie au pied de ta croix, donne-nous d'accueillir ta mère comme un don que tu nous fais. Montre-nous le chemin de la résurrection, maintenant et toujours, pour que nous sachions en témoigner en parole et en acte. Donne-nous de te reconnaître vivant à nos côtés, pour reconnaître que tu es le Seigneur. Amen. Asseyez-vous.
Merci. Merci d'avoir prié ensemble pour cette démarche synodale. Et maintenant, nous allons entrer dans quelque chose qui est peut-être nouveau pour un certain nombre d'entre vous. Nous allons apprendre ensemble une nouvelle manière d'écouter la parole de Dieu. C'est une manière de lire la Bible, mais de la lire de façon intériorisée. Cette méthode, cela s'appelle traditionnellement la lectio divina. Ça veut dire la lecture divine. C'est une lecture qui est habitée. Nous allons chercher à lire la parole de Dieu de façon à accueillir les mots de la parole pour qu'ils pénètrent en nous. Alors vous allez me dire, mais si je suis tout seul avec le texte, je ne vais pas y arriver. Avec simplement mes raisonnements, ma façon de voir, ma sensibilité, j'arriverai jamais à intérioriser ces mots-là. Et c'est vrai. C'est pourquoi il faut demander de l'aide. C'est pourquoi il faut s'ouvrir au Seigneur pour lui demander de venir ouvrir notre intelligence, de rendre notre cœur brûlant. Vous savez, comme Jésus l'a fait sur la route d'Emmaüs avec les deux disciples le jour de sa résurrection, il leur a commenté l'Écriture sainte et voilà que leurs cœurs sont devenus tout brûlants. C'est pourquoi, avant de faire la lectio, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Nous allons lui demander sa lumière. Nous allons lui demander qu'il vienne nous rendre dociles à sa conduite à travers les mots de la parole de Dieu. Ensemble, prions en chantant. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi.
heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous avons vu la rencontre de deux femmes, Marie et Élisabeth. Deux femmes qui se rencontrent à un moment très particulier, à un moment où le cœur de chacune est bouleversé. Chacune a vécu quelque chose d'unique. Il y a Marie. Marie, cette jeune fille de Galilée, fiancée à Joseph. Et Marie, par la visite de l'ange, est devenue enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Marie a été choisie par Dieu. Elle sait qu'elle porte en elle l'enfant qui sera appelé le Fils du Très-Haut. Élisabeth, sa cousine, elle, c'est une femme âgée. Elle est mariée, mais on l'appelle la stérile, elle n'a pas d'enfant. Et voilà que, suite à l'annonce de l'ange, elle est tombée enceinte, elle porte en elle Jean-Baptiste. Ces deux femmes, toutes les deux enceintes, se rencontrent et leur cœur déborde. Il déborde dans la joie, il déborde dans la louange de Dieu et dans la bénédiction. Lorsqu'elles se rencontrent, c'est Marie la première qui salue. Et en réponse, Élisabeth la bénit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle dit du bien de Marie. Elle dit le bien qu'elle voit en elle. Le bien qu'il y a dans le cœur de Marie, le bien que Dieu a fait pour elle, et l'enfant béni qu'elle porte, le Sauveur du monde.
Comme c'est bon de dire du bien de quelqu'un que l'on rencontre, de lui dire le bien que l'on voit en lui, le bien qu'il porte, le bien que Dieu accomplit en sa personne. Comme c'est bon, comme c'est réjouissant. Elle voit que Marie a une foi pure et simple. Et voilà qu'en réponse, Marie prononce une belle prière, un cantique. Marie va dire en substance que le Seigneur a fait pour elle des merveilles. Le Seigneur a fait pour elle des merveilles. Et nous aussi, il faut nous interroger. Il faut nous demander, est-ce que le Seigneur fait des merveilles pour nous ? Nous avons déjà pu voir des talents qu'il a mis en nous, des dons. Mais Dieu accomplit toutes sortes de merveilles. Il enrichit le monde par les merveilles qu'il a créées. Il enrichit nos cœurs. Il enrichit ce que nous aimons. Alors je vais de nouveau appeler Sophie et Constance pour les interroger. Merci de vous prêter à ça. Hein. Donc Sophie et Constance, quelles sont les merveilles que le Seigneur a fait pour vous ? Il m'aide dans les moments durs, il est ma force. Il m'a donné une famille soudée, des amis en or. Il m'a permis d'avoir confiance en moi. Et surtout, il m'a permis d'aller au frat. Oui. Oui, il y a de quoi se réjouir. Eh bien, soyez bénies chacune pour ces merveilles que Dieu accomplit dans vos vies. Et maintenant, je vous interroge, vous tous, les jeunes du Frat, essayez de voir quelles sont les merveilles que le Seigneur a fait pour vous et répondez. Alors, est-ce que vous avez vu des merveilles que le Seigneur a accomplies en vous et autour de vous ? Essayons de regarder ce qui apparaît. Il y en a qui ont écrit ça ? Alors, c'est varié, hein ? Il y a des choses qui sont en vous, des qualités humaines, la capacité de sourire,
le courage, différents talents, différentes qualités. Le Nutella, c'est moins clair. Il y a aussi des élans que le Seigneur a pu donner en vous qui vont vous permettre d'avancer. L'amour, l'espérance, de nouveau, la foi. Et puis, il y a des merveilles que le Seigneur accomplit dans le monde. Vous avez signalé la nature, la terre, la beauté, la création. Le Seigneur accomplit des merveilles dans ce monde, mais il accomplit aussi des merveilles dans ceux qui vous entourent. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les parents, tous ceux qui vous sont chers. Oui, vraiment, le Seigneur fait des merveilles. Vous savez, je crois que c'est bon de s'arrêter de temps en temps et de regarder cela. Parce que souvent, quand on s'arrête, on regarde tout ce qui ne va pas, et c'est toujours facile de geindre, hein. On le fait souvent. Mais s'arrêter pour s'émerveiller, ça c'est très important. S'émerveiller sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et puis peut-être regarder un peu en arrière. Qu'est-ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui ? Alors à l'origine, il y a mes parents, bien sûr, ceux qui m'ont donné la vie, ceux qui m'ont donné une éducation, ceux qui m'ont aimé. Et puis il y a toutes sortes de personnes qui ont compté sur mon chemin, des professeurs, des éducateurs, toutes sortes de témoins sur ma route qui m'ont formé. On peut regarder aussi son histoire sainte. Qu'est-ce qui me permet de croire aujourd'hui ? Il y a bien des gens qui m'ont transmis la foi. Alors à l'origine, des membres de ma famille qui sont croyants, je peux bénir le Seigneur pour eux. Et puis des catéchistes, et puis des animateurs d'aumônerie, des prêtres, des religieux, des religieuses. Peut-être mon parrain, ma marraine. Mais finalement, au milieu de tout ça, il y a un don. Il y a un don qui est là, mais qu'on oublie souvent. Parce qu'on l'a reçu il y a longtemps et qu'on n'y pense plus. Un don qui est pourtant essentiel que le Seigneur nous a accordé. Ce don fondamental, c'est le baptême. Souvenons-nous de notre baptême. Dans notre baptême, le Seigneur nous a dit « Je t'ai choisi, je te connais depuis toujours, je sais les dons que j'ai mis en toi, je te connais, je connais tes qualités, tes défauts, mais il y a des choses que je n'ai mis que en toi et pour lesquelles je compte que tu sauras les déployer, que tu sauras les faire grandir. » Dans votre baptême, le Seigneur vous a dit qu'il vous aimait, qu'il était votre Père, qu'il avait pour chacun d'entre vous un amour tout particulier, un amour unique. Par votre baptême, vous savez que le Seigneur, il continue à vous conduire, à vous attirer à lui. Il continue à déployer des choses en vous. Il continue à vous inviter à la prière. Il vous invite à le servir, à apprendre à faire le bien autour de vous. Et puis, à savoir demander pardon lorsqu'il y a besoin. Voyez, parce que vous êtes baptisé, vous savez que vous avez été choisi, que vous avez été aimé, que vous êtes conduit, que vous êtes pardonné. Bref, que chacun d'entre vous est fils et fille de Dieu, aimé d'un amour unique. Comment rendre au Seigneur les merveilles qu'il a accomplies pour nous ? Une fois qu'on les a repérés, comment les lui rendre ? Et là, il faut se mettre à l'école de Marie. Nous avons entendu ce beau cantique de Marie. Retenez bien les premiers mots. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Ces mots sont très importants. Exalter le Seigneur, ça veut dire le louer, mais le louer au plus haut degré, le magnifier. Essayer d'exprimer avec tout ce que l'on est l'immense grandeur de Dieu, la puissance qu'il accomplit, de merveilles qu'il accomplit en nos vies, dans le monde, dans son Église. Exulter, ça veut dire laisser la joie nous envahir, envahir tout notre être, notre intelligence, notre cœur, même notre corps, et s'exprimer. Voyez, Marie, elle nous enseigne une forme de prière qui est essentielle. Une forme de prière que nous devrions pratiquer tous les jours. Une forme de prière qui compte pour chaque chrétien, comme les deux jambes. Il faut savoir demander pardon et entrer dans l'action de grâce. L'action de grâce est fondatrice de notre vie chrétienne.
L'action de grâce est une prière dans laquelle nous agissons. Bien sûr, une action intérieure, mais dans laquelle nous nous engageons. C'est une dynamique qui nous soulève, qui nous prend tout entier, qui nous aide à nous tourner vers le Seigneur pour lui rendre les merveilles qu'il a accomplies pour nous. Alors regardons comment fait Marie. Elle voit des choses dans sa vie et elle voit des choses dans le monde. Et elle fait le lien de l'un à l'autre. Elle n'a pas peur de dire les merveilles que Dieu a accomplies en elle. Elle se désigne comme l'humble servante. Elle reconnaît son humilité et le fait qu'elle s'est mise entièrement au service de Dieu. Et qu'est-ce que ça lui permet de faire ? Eh bien, elle voit ce que Dieu fait pour tous les humbles de la terre. Il élève les humbles. Parce que Marie a reconnu le don de l'humilité que Dieu lui a fait, elle reconnaît le don que Dieu accomplit à travers tous les humbles de la terre. Marie, elle se reconnaît comme désireuse de rencontrer le Seigneur, affamée de sa parole. Et voilà qu'elle reconnaît que Dieu y vient combler ceux qui sont affamés. Il vient les combler de bien. Elle a reconnu ce que Dieu faisait dans sa vie. Elle reconnaît ce que Dieu fait dans la vie de tous ceux qui sont affamés des bienfaits de Dieu. Ensuite, eh bien Marie, on nous dit qu'elle a craint le Seigneur, mais d'une crainte amoureuse, d'une crainte qui aime, d'une crainte qui cherche à plaire au Seigneur. Eh bien, elle reconnaît que tous ceux qui sont dans cette attitude-là, eh bien, Dieu vient vers eux et il répand sur eux sa miséricorde. Oui, Dieu étend sa miséricorde sur ceux qui le craignent et Marie le chante dans son action de grâce. Apprenons à l'école de Marie à rendre grâce à Dieu, et pas une fois de temps en temps, mais chaque jour. Chaque jour, prenons la peine de rendre grâce au Seigneur. Et à chaque fois que nous allons à la messe, qui est une grande action de grâce, eh bien, arrivons avec l'action de grâce pour ce que Dieu accomplit en nous, dans son Église et dans le monde. Redisons sans cesse, jour après jour, et même lorsque nous traversons des difficultés, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Nous sommes à Lourdes. Nous sommes à Lourdes et ce n'est pas un hasard. Si nous avons fait tout ce trajet, c'est bien qu'à Lourdes, il y a quelque chose de très important, vous le savez. Il s'est passé quelque chose d'essentiel à Lourdes. C'était il y a 160 ans. Dieu a voulu accomplir un événement étonnant à Lourdes. À cette époque, au 19e siècle, il y avait bien des gens qui s'éloignaient du Seigneur ou qui se disaient « Bien, on va bientôt pouvoir se passer de Dieu. » Et le Seigneur avait un message très important à faire passer, un message d'espérance, un message de confiance, surtout pour ceux qui peinent, pour les petits, pour les humbles. Donc Dieu avait un grand projet, un message à faire passer en faisant apparaître sa mère à un fidèle. Alors demandons-nous, mais tiens, qui était adapté pour répondre à cette mission ? Qui Dieu devait-il choisir ? Est-ce que Dieu devait choisir un grand théologien qui pouvait expliquer quantité de choses sur la parole de Dieu ? Est-ce que le Seigneur allait plutôt choisir eh bien, quelqu'un qui a une grande facilité d'expression, un grand prédicateur ? Ou bien peut-être un homme d'église qui a beaucoup d'autorité ? En fait, le Seigneur a fait un choix différent de peut-être ce qu'auront fait beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre. Il n'a pas choisi quelqu'un qui avait tous ses dons extérieurs, il a choisi quelqu'un d'autre. Il a choisi une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous. Alors cette jeune fille, au point de vue des dons extérieurs, c'était tout de même assez pauvre. Elle n'avait pas eu la chance d'être scolarisée, donc elle était illettrée. Elle ne pouvait pas parler le français, elle ne parlait que le patois local d'ici.
Elle était d'une famille pauvre, elle avait très peu de moyens. Elle n'avait même pas pu finir le catéchisme, elle n'avait pas encore fait sa première communion, mais elle aimait beaucoup prier le chapelet. Tout ça, ça fait vraiment quelqu'un de assez peu doué de l'extérieur. Mais Dieu savait les merveilles et les dons qu'il avait déposés dans son cœur. Il savait que cette fille, elle avait un cœur pur, un cœur totalement capable de s'ouvrir à la volonté de Dieu, mais aussi une vraie persévérance, une véritable fidélité aux promesses qu'elle donnait. Et donc il a choisi cette jeune fille-là, que tout le monde ignorait, Bernadette, et un jour qu'elle venait auprès de la grotte, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Nous allons voir le récit de ses apparitions. Lourdes, 1858. Bernadette est l'aînée de 6 enfants. Elle a 14 ans. Ce jeudi 11 février 1858, avec Toinette, sa petite sœur, et Jeanne, une amie de Toinette, elle décide d'aller ramasser du bois à Massabielle. J'entendis une rumeur de vent, comme quand il fait orage. J'avais entrevu, mais sans y arrêter le regard, une agitation de branches et de ronces du côté de la grotte. Derrière ces branches, dans l'ouverture, je vis tout de suite une jeune fille blanche, pas plus grande que moi, qui me salua par une légère inclinaison de tête. À son bras droit pendait un chapelet. J'eus peur, je reculais. Relevant les yeux, je vis la jeune fille qui me souriait avec beaucoup de grâce et semblait m'inviter à approcher. Mais j'avais encore peur. Alors l'idée de prier me vint. Je mis la main à la poche, je pris le chapelet que je porte habituellement sur moi, je m'agenouillai, je voulus faire le signe de croix. Cette fois, la jeune fille tenait le grand chapelet à la main. Elle se signa comme pour prier. Ma main tremblait. J'essayai de nouveau de faire le signe de croix et je pus le faire. Après quoi, je n'eus plus peur. La jeune fille était vivante, très jeune et environnée de lumière. Quand je finis mon chapelet, elle me salua en souriant. Elle recula dans la niche et disparut tout à coup. Les autres ne voient rien. Vous n'avez rien vu ? Vu quoi ? Ce que je vois, moi, c'est que t'as rien ramassé. 4 jours après, le jeudi 18 février, à 5h du matin, Bernadette et 2 dames de la bourgeoisie partent à la grotte après avoir assisté à la messe. Sur place, Bernadette s'agenouille immédiatement. Le papier et la plume. Ce que j'ai à dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Vous irez dire au curé qu'il doit se bâtir ici une chapelle et que l'on doit y venir en procession. Monsieur le curé ! Qu'est-ce que tu veux ? Monsieur le curé, la dame de la grotte m'a chargé d'une... Dans la journée, Bernadette se rend chez l'abbé Père Amal. Intimidée, elle oublie de parler de la procession. L'abbé Père Amal la rabroue. Tu connais son nom ? Non, monsieur le curé. Tu ne l'as pas demandé ? Si, mais elle s'est mise à rire. Si tu veux que je te croie, tu vas d'abord lui demander son nom à cette belle dame. Arrivée sur place, Bernadette voit à nouveau la dame. Madame, auriez-vous la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ? Elle devra encore poser 2 fois la question avant d'avoir une réponse. Puis la dame lui répond en patois, ce patois qu'elle a utilisé tout au long des apparitions. Que soy era Immaculada Concepción. 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 Mais qu'est-ce que tu dis ? J'ai demandé à la dame qui elle était. Elle m'a dit que soy era Immaculada Concepción. Le curé est stupéfait. Il sait que Bernadette ne peut pas connaître ces 2 termes théologiques. Immaculée Conception. Ces 2 mots que l'Église venait juste d'adopter pour parler de Marie, la mère de Jésus.
Eh bien, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi tant de milliers de pèlerins se rendent à Lourdes, et vous parmi eux. Et vous comprenez aussi où se rendent les pèlerins pour confier leurs intentions de prière, bien sûr. Et ils vont à la grotte qui est à deux pas d'ici. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce matin l'occasion d'y aller, mais il faudra absolument qu'avant la fin du frat, vous vous rendiez à la grotte. Et là, là où Marie est apparue à Bernadette, eh bien, vous viendrez devant elle, devant la grotte, et vous allez déposer les prières qui habitent votre cœur. Alors réfléchissez, réfléchissez à ce que vous allez lui demander. Alors une dernière fois, je m'adresse à Sophie, à Constance, cette fois-ci pour demander, eh bien, qu'avez-vous à confier à Marie ? Je souhaite confier à Marie tous les frateux, toutes vos prières et les malades qui sont venus à Lourdes. Je voudrais que tous les frateux réussissent leurs examens. Je voudrais lui confier toutes les familles qui sont dans le besoin. Et je veux confier à Marie ma famille et en particulier mon grand-père. Bravo. Merci pour ces intentions, il faudra le faire, hein. Vous irez prier pour ça à la grotte et on verra les fruits, hein. Merci. Alors maintenant, c'est à vous, vous tous les frateux, réfléchissez, qu'avez-vous à confier à Marie ? Et dites-le. Voyons ce qui apparaît. Pas encore. Eh bien, tout ce que vous aurez à confier à Marie, vous pourrez déjà commencer ce soir. Parce que ce soir, vous allez vivre une forme de prière traditionnelle à Lourdes. Vous avez entendu que dans les apparitions, la Vierge Marie a fait une demande particulière. Le 2 mars 1858, elle a dit à Bernadette, « Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » Eh bien, depuis un siècle et demi, pratiquement tous les jours, on fait à Lourdes des processions. Des processions de prière. Ce soir, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Alors, il y a la statue de Marie qui vient en tête de la procession parce que c'est la Vierge qui guide notre prière. Et puis, chacun d'entre vous, comme tous les pèlerins ici, sont invités à processionner avec un cierge allumé. Comme Bernadette aussi, porter un cierge allumé le 19 février, lors d'une apparition. Cette lumière, c'est la lumière du Christ qui vous guide. Et puis, vous êtes invité à entrer dans la prière de tant et tant de pèlerins. Cette prière ici, c'est la prière du chapelet. C'est le chapelet que la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît à Bernadette, tient à la main. On dit un Notre Père et dit « Je vous salue Marie » et on reprend. Et ainsi, avec la foule, on entre dans le rythme de prière. On marche. On marche en église, éclairé à la lumière du Christ, porté par le peuple de Dieu qui se confie à Marie. Maintenant, regardons ce que vous allez confier à la Vierge. Là encore, il y a des personnes, bien sûr, tous ceux qui vous sont chers, vos proches, votre famille, vos amis, bien sûr. Peut-être qu'il y a des malades qui se sont confiés spécialement à vous, parce que ici, c'est vraiment le lieu où on prie pour les malades, tout spécialement. Et puis, dites-leur que vous avez prié pour eux. Envoyez-leur des messages, ce sera source d'espérance et certainement de réconfort pour eux, tout spécialement ceux qui souffrent. Voilà, vous allez porter, bien sûr, les soucis qui vous habitent, hein, vos inquiétudes, peut-être des angoisses pour certains d'entre vous.
Mais ce qui est important, c'est de prier les uns pour les autres, comme nous l'ont dit Sophie et Constance, hein, prier pour d'autres, prier pour les soucis des uns des autres, tout confier au Seigneur, vos joies et vos tristesses par l'intercession de Marie. Mais il y a encore quelque chose à vous dire qui est important pour tout ce frat. Vous êtes accompagné par la prière de Marie, mais vous allez avoir une chance formidable tout au long de ce frat, c'est que vous allez avoir la possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Pas seulement à un moment du frat, tout au long du frat. Tous les prêtres qui sont présents parmi vous, tous les prêtres qui sont là, vont être entièrement à votre disposition tout au long du frat, dans Lourdes, pour que, au moment opportun, lorsque vous êtes prêts, vous puissiez aller vers eux et demander à recevoir le sacrement du pardon. C'est leur mission. Ils se rendront disponibles pour cela à chaque fois que vous leur demanderez. Alors la réconciliation, qu'est-ce que c'est ? Bien, sans doute vous savez déjà. C'est aller vers le Seigneur pour reconnaître son péché. Évidemment, il ne s'agit pas de faire des listes et des listes, il s'agit de reconnaître les péchés les plus importants, ceux qui pèsent sur notre cœur, et sans peur, avec toute confiance que c'est dans un secret absolu, ouvrir votre cœur et le dire au prêtre. Vous savez combien le prêtre, il a été choisi, il a été consacré, hein, il a reçu le sacrement pour cela, pour donner la miséricorde de Dieu, pour donner le sacrement qui opère le pardon en nos cœurs. Alors n'hésitez pas, ayez toute confiance, et puis... certainement, vous verrez ensuite les fruits. Peut-être vous pouvez même dire à ceux qui vous entourent la grâce que vous avez reçue, ce que vous avez perçu de la chance de demander pardon au Seigneur. Nous allons prier pour les prêtres. Je vais inviter tous les évêques qui sont ici à prier pour les prêtres qui sont chargés de donner ce sacrement de la réconciliation. Vous avez la prière, normalement, vous allez de chaque côté. Mais d'abord, nous allons... Thank you.
avec tous les évêques, nous disons cette prière pour les prêtres. Seigneur, accueille aujourd'hui les prêtres qui se tournent vers toi. Nous te les confions pour qu'ils accomplissent pleinement, entièrement, la mission que tu leur as donnée. Et maintenant, chers frères prêtres, nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, toi qui es la source de toute vocation en ton Fils Jésus-Christ, sois notre force. Par l'Esprit Saint, embrase nos cœurs de ton amour. Remplis-nous de ta lumière et de ta joie divine dans le sacrement de réconciliation, afin que nos rencontres avec chaque jeune, chaque responsable ou animateur du Frat soient des rencontres avec le Christ. Donne-nous d'accueillir avec douceur ceux qui sont blessés dans leur cœur ou dans leur corps. Donne-nous d'être à l'écoute de ceux qui ne demandent rien. Donne-nous de délier ce qui est noué afin de répondre à l'appel du Christ dans notre vocation de prêtre. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs qui avons recours à vous. Seigneur, conduis-nous en tout et pour tout, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et avec les évêques, nous allons bénir les prêtres qui se sont habillés, qui sont au milieu de vous. Chers prêtres, recevez l'Esprit Saint et soyez féconds. Rappelez-vous toujours que c'est le Christ qui accueille, c'est le Christ qui écoute, c'est le Christ qui pardonne, c'est le Christ qui donne la paix. Dieu notre Père, donne à ces prêtres d'agir en ton nom, que toutes leurs actions, les plus importantes, les plus minimes, leur viennent de toi, afin que tous nous puissions te glorifier, t'aimer et te faire aimer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et vous, chers frères prêtres, vous allez recevoir un kit qui vous fera reconnaître, qui permettra aux jeunes de s'adresser à vous. Donc, chers frères prêtres, allez accomplir votre mission de réconciliation. Tu es le rocher de ma vie.
la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec tous les évêques. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Eh bien, je crois que j'ai vu aujourd'hui des merveilles dans nos vies. Vous allez pouvoir tout de suite les partager dans ce que l'on appelle le carrefour synode. Attendez bien que les suites blancs vous donnent les consignes pour pouvoir vous lever. Mais après cette célébration, vous allez retourner à votre hôtel et vous allez partager sur ces merveilles de Dieu dans vos vies. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a des prêtres. Ces prêtres, dès que vous voyez qu'ils ont un sac à dos et qu'ils sont disponibles, vous pouvez aller les interpeller. Si c'est votre aumônier, mais vous n'avez pas trop envie de vous confesser à lui, eh bien, vous pouvez aller en chercher un autre. Et il y a des endroits pour ça. Frat Avenue, il y aura toujours une permanence pour la réconciliation. Il y a aussi un atelier pour découvrir en profondeur
cette réconciliation et puis recevoir ce même sacrement. Et s'il y en a encore qui, avant la fin du frat, n'ont toujours pas été demandés ce sacrement, le dernier soir, il sera possible de le vivre. C'est à vous de choisir quand vous voulez le vivre. Ça a été dit, c'est une belle expérience. Le Seigneur nous ouvre la possibilité de grandir par ce sacrement. Tout à l'heure, vous avez fait des réponses sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, mais ça ne capte pas ici. Alors, ne vous souciez pas, vous retrouvez tous les résultats sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur le site du FRAT. Ce soir, nous nous retrouverons pour la procession mariale. Ce temps important, vous allez pouvoir présenter à Marie à la fois les merveilles de vos vies et aussi toutes les intentions de prière qui vous ont été confiées. Vous aurez rendez-vous à 21h près du podium qui est de l'autre côté du Gave, en face de la grotte. Soyez à l'heure avec votre groupe. L'espace Frat Avenue est disponible pour que vous puissiez faire des achats pour vos souvenirs. N'hésitez pas à y faire un tour. En attendant, nous allons vivre des merveilles du Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne durant tout ce frat. Alléluia. Alors, chers amis fratons, tout à l'heure, on s'est fait un super clapping géant. On va le refaire. Est-ce que vous êtes prêts avec moi ou pas? Alors, je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains. Vous êtes prêts? Jésus! Oh, il faut monter un peu le volume, non? Jésus! 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 Faites du bruit! Pour tout amour que Jésus sauve, Jésus règne, nous t'élevons. Tu es venu, tu as vaincu. Nous t'élevons, oh, 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 oh. Chantez avec nous, frateux, d'accord? Vous êtes prêts? À trois, un, deux, trois. Proclamons que Jésus sauve, Jésus règne. Nous t'élevons, oh, et nous prions. Que tu es venu, tu as vaincu. Nous t'élevons, oh. Proclamons que Jésus.
écoute, c'est le bon. Wow, wow, wow. Jésus, aujourd'hui, est avec toi. Appelle-moi. Et le bon son bon sur cette nation. Et le bon son bon. Et le bon son bon sur cette nation. Et le bon ton nom. Et le bon son bon sur cette nation. Et le bon ton nom. Et le bon son bon sur cette nation. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons que Jésus sauve, Jésus règne. Nous t'élevons haut et nous prions que tu es venu, tu as vaincu. Nous t'élevons, wow, nous proclamons que Jésus sauve, Jésus règne. Nous t'élevons haut et nous prions que tu es venu, tu as vaincu. Nous t'élevons, oh, oh, oh. Jésus, aujourd'hui, est avec toi. Nous t'élevons, nous prions, nous prions, sans crainte. Appelle-moi. Nous prions sans crainte. Jésus, aujourd'hui, est avec toi. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous prions, nous prions, tout sans crainte. Appelle-moi. Et oui, Eric, mais avant que vous ne partiez en Carrefour, nous avons quelques explications à vous donner. Vous n'êtes pas sans savoir que ce frat ne se prépare pas tout seul, loin de là. Vous avez plusieurs centaines de bénévoles qui sont ici à votre disposition, qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois pour vous offrir ces 4 jours exceptionnels. Et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Eh oui, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour les Suites Bleues. C'est l'équipe animation qu'on peut applaudir bien fort, les Suites Bleues. Il y a également des Suites Turquoises qui ici ne sont pas présents mais que vous retrouverez notamment à Frat Avenue. C'est l'équipe, si je ne me trompe pas, Écoute. Exactement, c'est ça, voilà. Si vous avez quelque chose à leur dire, voilà. Si vous avez envie de leur dire une chose cool ou moins cool, n'hésitez pas à aller les voir. On a également les Suites Verts, ce sont les équipes diocésaines qu'on peut applaudir bien fort. Également des Suites Bordeaux, qui eux représentent l'équipe des Vocations, que vous trouverez également à Frat Avenue. Vous pouvez les applaudir. Nous avons également les Suites Blancs. Eh ouais, les Suites Blancs qui sont pour la plupart des étudiants et qui vont se charger des chargements et déchargements. C'est très important de les écouter pour que tout se passe correctement. Il y a également les hommes de l'ombre, et les femmes de l'ombre d'ailleurs, les Suites Noires, qui eux s'occupent de la technique, la lumière, le son. Merci pour eux. Les jeunes frateux, à l'invitation des Suites Blancs, vous pourrez vous lever et vous diriger vers la sortie pour vivre votre premier temps Carrefour. Il est vraiment important que vous alliez participer à ce Carrefour, à ce premier synode. Car en tant que jeune de l'Église, vous représentez l'avenir. Je pense que vous le savez déjà. On vous offre la possibilité de vous exprimer, de voter. Alors, allez-y, n'hésitez pas, c'est à vous de jouer, c'est important. Vous êtes l'Église de demain. En attendant, on se retrouve ce soir, 20h30, sur le podium de la Prairie pour la procession mariale. Et d'ici là, reprend avec le fraternel. Exactement. Le chant Je sais qui je suis. Est-ce que vous avez toujours
sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis.
Lucie ? Oui, je suis là. À l'invitation des suites blancs, vous allez pouvoir vous diriger vers la sortie et vous rendre à vos carrefours. Attention, aujourd'hui, il fait chaud. Buvez, mettez de la crème. N'oubliez pas vos chapeaux, c'est important. Voilà, mettez de la crème solaire. Et on vous rappelle aussi que vous êtes donc dans les sanctuaires de Lourdes. On compte sur vous pour respecter, bien sûr, les lieux, respecter aussi tous les autres personnes qui sont en pèlerinage également. Et n'hésitez pas à passer par Frat Avenue. C'est ouvert en continu. Vous avez toutes les infos dans votre livret. Tout y est écrit. Voilà. Quelques petits détails, Eric, sur Frat Avenue ? Voilà, il y a la boutique, il y a le bar, il y a les équipes écoute, les équipes vocation, il y a la chapelle, il y a un mur d'expression, il y a plein de choses, plein de choses, des associations, salsa. Et tout de suite, nous allons nous libérer avec le fraternel, c'est parti. Bon après-midi. Délivré, pardonné, je vivrai.